Mesdames, messieurs, bonsoir. Le printemps va s'installer à partir de demain sur le pays avec des températures jusqu'à 7 degrés au-dessus des moyennes de saison. Aujourd'hui, une perturbation a traversé la France. Elle nous a apporté un ciel couvert, notamment du nord de la France, en descendant vers la Méditerranée. Quelques pluies très très faibles. On a tout de même relevé jusqu'à 5 mm de précipitations vers le pourtour méditerranéen. Alors cette perturbation va totalement se décaler hors de nos frontières. À l'arrière, des conditions anticycloniques vont regonfler avec donc une hausse des températures. Nous allons retrouver pour demain matin ces nuages bas, ces tenaces de la Bretagne vers la plaine d'Alsace. Quelques gouttes ici vers les frontières du Nord-Est, quelques nuages également vers la vallée de la Garonne. Et dans l'après-midi, le soleil gagne du terrain, repousse ces nuages de la côte d'Opale jusque vers l'Alsace ou encore la Lorraine. On retrouvera quelques entrées maritimes autour du golfe du Lion avec le vent d'OTAN qui va souffler tout de même jusqu'à 80 km/h. Les températures du matin, petite baisse, mais on est au-dessus des moyennes de saison. 3 degrés, c'est la minimale, jusqu'à 10 degrés du côté de Biarritz. Et regardez surtout pour l'après-midi, ça grimpe 2 à 3 degrés déjà au-dessus des moyennes de saison avec 20 degrés attendus à Paris, 19 du côté de Strasbourg ou encore de Dijon, et nous allons atteindre les 26 degrés du côté de Biarritz. Et ce n'est pas fini, ça va grimper de nouveau tout au long de la semaine avec des valeurs jusqu'à 7 degrés donc au-dessus des moyennes de saison avec un temps plutôt calme sur les trois quarts du pays. Jeudi, on aura toujours ces entrées maritimes autour du golfe du Lion avec le vent qui reste sensible jusqu'à 80 km/h. On aura une goutte froide qui va venir se positionner sur la péninsule ibérique et qui va renvoyer un petit peu d'instabilité, quelques averses localement orageuses vers les Pyrénées. Vendredi, un peu plus de nuages attendus dans le sud de la France. Toujours ces averses plus denses ici sur les Pyrénées. Le soleil va dominer sur la moitié nord du pays. Pour ces prochains jours également, samedi, on aura quelques nuages encore une fois des Pyrénées en remontant jusqu'à l'est du pays. Et même configuration pour la journée de dimanche, on attend des pointes jusqu'à 26 degrés. Par exemple dans la capitale, direction l'outre-mer, ou bien aussi là où on va retrouver bien sûr des températures très élevées, 29 degrés vers la Martinique, un petit peu d'instabilité vers la Guyane, quelques passages nuageux attendus de côté de Saint-Pierre et Miquelon. De belles éclaircies vers l'océan Indien, à la Réunion ou encore du côté de Mayotte avec 32 degrés pour la maximale. Et on termine avec le soleil de la Polynésie, quelques averses orageuses attendues du côté de Wallis et Futuna ou encore la Nouvelle-Calédonie. Mais tout de suite, le journal Anne-Sophie Lapix.